Parti. Pour le côté négatif, la prise de balle, c'était pas. Pourquoi pourquoi et dans quelle situation surtout? Dans quelle, parce que on peut pousser notre ballon trop loin. Et du coup on pouvait pas frapper parce que quand on poussait notre ballon trop loin, soit c'était l'adversaire qui la prenait ou soit c'était quoi. Pour se retourner aussi. On n'avait pas de prise de balle. On pouvait jouer un peu rendu. D'accord. Tu dis pour se retourner, ça veut dire que si tu reçois le ballon de haut-cage, pour se retourner pour aller haut-cage. Ouais. Donc c'est quelle position qu'il aurait fallu adopter? 3/4, c'est ça. En fait, on était comme ça, on était pas trop. Alors en 3/4, ça fait quoi du coup? Bah tu vois, les deux étaient mal orientés. Pourquoi mettre en 3/4, c'est bien? Bah parce que tu peux y aller plus vite de là-bas. Ah, c'est pour la rapidité du jeu? Bah parce que si on reste comme ça, on voit que l'un. Et du coup, est-ce qu'on a plus de choix du coup d'être en 3/4? Pourquoi d'être danger. Ah, ok, très bien, parfait. C'est bon. Allez, Naïl, à toi. Ok, Odé. Là, c'est toujours dans le positif ou négatif? Négatif. Allez, on enchaîne. C'est la finition. La finition, tu trouvais qu'en finition, c'était pas terrible. Et du coup, pour s'améliorer au niveau de la finition, qu'est-ce qui serait important pour vous là? S'entraîner. Est-ce que au moment que quand ils ont tiré les joueurs, est-ce que le pied était bien en position? Non. Est-ce que le corps était en équilibre? Non. Bah déjà, d'essayer de régler ça pour que ensuite bah, vous essayez de faire des meilleures frappes. Ok les gars? Vas-y, allez le public, c'est bon? Ça vous convient? C'est vous le public, c'est vous qui posez les questions les gars. Allez, on enchaîne. Les passes appuyées, des fois on faisait des passes dans l'intervalle et on les faisait, je sais pas. Passes claquées? Ouais, non, pas assez claquées. Ouais, et du coup, ça faisait quoi du coup, vu que c'était pas claqué? L'adversaire, il le prend, il passe devant. Ok, très bien, c'est bien, une bonne analyse. Je dis pas assez claqué, mais quand on donnait, c'est en jouant dans quelle zone le plus souvent? Vers là. C'est un général ou bien c'est précisément que vous avez un truc, que vous avez vu quelque chose de précis? En général. En général, passe pas assez claqué. D'accord. Attendez, excusez-moi, du coup la passe pas assez claquée, c'est quoi que les conséquences du coup? Bah en fait du coup c'est l'adversaire il la prend, quand on fait une passe pas assez claquée, bah du coup l'adversaire il la prend. Ok, et quand c'est pas l'adversaire qui la prend, on va dire c'est quand même le copain qui la prend, c'est quoi le... Bah du coup après il est obligé de se retourner comme ça. Et il va lui rentrer dedans. D'accord, ça veut dire qu'en fait c'est quoi ton père dans ça? Du tout. Pourquoi? Parce que vu que le ballon vient tout doucement, ouais, c'est ça. Donc on perd du temps. Et le temps, on en a besoin dans le foot. Et admettons, moi j'ai une question. Parce que tu sais, j'ai un peu le gars qui casse la tête un peu. Mais admettons, moi je joue avec lui. Il fait une passe pas assez claquée. Donc qu'est-ce que moi je pourrais faire par exemple? L'encourager. Non? Non, attaquer sa balle. Très bien, attaquer son ballon. Très bien. Ouais. Donc je vois, j'ai analysé que. Par exemple, j'ai demandé le ballon ici, mais il s'est trompé, il me l'a donné là-bas. Et ben, je vais dire, ah, c'est pas grave, je vais y aller, je vais attaquer mon ballon quand même. Je vais quand même faire l'effort de y aller. Qui a déjà attendu un ballon? Moi. Qu'est-ce qui s'est passé en général? Ballon. Voilà, donc vous savez qu'il faut attaquer le ballon. Ok les gars? Allez, suivant. On se débarrasse trop du ballon, du coup, après... Parfois on la dégage du coup, et ensuite ça va sur l'adversaire. Mais quand vous débarrassez du ballon, qui a constaté que oh merde, je me suis débarrassé du ballon, mais j'aurais pu faire mieux? Par exemple, vous avez constaté ça? Oui. C'est ça que vous avez constaté? Oui. C'est pour ça que pourquoi t'as mis débarrasser de la balle? T'as ressenti quoi quand vous avez ressenti quoi? Parce qu'en fait. Du coup, quand on se débarrasse du ballon, ensuite, après, on se dit qu'on pouvait faire autre chose. C'est ça. Qui est d'accord avec ça? Ok, bah faut pas oublier ça. Ok, point positif? Ça, c'est que des occasions. Des occasions, ok. C'est quand? C'est-à-dire, je crois que vous êtes créé des occasions, ouais, c'est vrai. Collectivement ou individuellement? Ah ok, très bien, bonne analyse, ouais, c'est bien. Et le repli défensif, vous trouvez qu'on avait un gros repli défensif? Ouais.
Oui, c'est... vous avez remarqué dans la vidéo ? Ouais. Ça, c'est quelque chose que vous faites de pas mal, ouais, le repli défensif. Sauf à un moment, samedi, à un moment, j'étais obligé de vous le dire. À un moment, j'ai le repli. Qui se rappelle de ce moment-là ? Tu te rappelles, Chérie ? Et là, c'était dû à quoi ? Vous n'avez pas fait le repli à ce moment-là ? La fatigue ? D'accord, la fatigue. Instance vidéo. Suivant, allez, jeu collectif. Qu'est-ce que vous en avez pensé de votre jeu collectif ? C'est les coachs. En fait, quand on joue collectif, on arrive à se créer des occasions. C'est juste qu'après, on n'a pas la finition. D'accord. Et c'est marqué quoi en dessous? Et après? Non, mentalement. Ouais. Vous êtes trouvés comment mentalement? Tous, pour la plupart? Plutôt bien. Plutôt fort. Ça veut dire que là, les trois, parce que vous avez parlé pour les trois, ce jour-là, vous étiez bien, là. OK. Et est-ce que vous pensez que par rapport au mental, parce que vu que là, on est en train de travailler sur cette phase-là, est-ce que vous pouvez davantage encore faire mieux ou pas ? Oui. OK. Donc c'est pour ça que vous avez mis bon, mais pas très bon. Non, vous avez mis plutôt bon, plutôt fort. OK. Donc la prochaine fois, ça veut dire qu'il faudra que ça mette fort. OK. Ou très bien. Parfait. Vas-y, ensuite. Non, c'est bon. On a fait un petit peu la crème d'or. Hein, de quoi? Parle plus fort. On avait un petit peu la crème d'or, mais on pouvait faire mieux. Ouais, ok. Et on a beaucoup plus. Vous avez pris du plaisir? Mais maintenant, moi, ce que, avec Ludo, c'est important maintenant de savoir à quel moment vous avez pris du plaisir. C'est bon, quand vous pouvez lâcher la tête. À quel moment vous avez pris du plaisir? Bah, où dès? Hein? Comment t'as commencé à dribbler? Calice, à quel moment tu prenais beaucoup de plaisir dans le match? Quand on fait tourner le ballon et quand j'avais les joueurs. Ah, t'as bien aimé. Tu les as fait glisser un peu. Et toi, Naïl, à quel moment tu prends du plaisir quand tu joues? Et du coup, bah, quand t'as écouté les consignes à Ludo et à moi, quand on te demande de frapper, du coup, c'est positif alors. Ouais. Parce qu'à la fin, tu vois que ça peut faire des buts. Vaut mieux ça que s'enfermer et à la fin perdre le ballon. Donc toi, là où t'as pris plus de plaisir, c'est quand t'as marqué. Ok. Allez, très bien, bon travail, on s'applaudit. Ouais. Bien joué. Allez, je suis bien ce travail. Hein.